Vos Maxima. Il faut l'arrêter rapidement. Les animaux fantastiques abordent un épisode de l'histoire magique évoqué dans les romans d'Harry Potter, mais qu'on ne voit jamais. Là, j'ai la possibilité de le raconter. Dans les années 20, la magie a évolué différemment en Amérique. Beaucoup de sorciers répriment leur magie pour éviter d'être persécutés par les moldus. Donc ils vivent cachés. Écoutez mes paroles et entendez mon avertissement. Les sorcières sont parmi nous. Ils cherchent à révéler l'existence des sorciers et des sorcières. S'ils réussissent, nous serons condamnés à rester dans l'ombre. Et nous vivons dans l'ombre depuis trop longtemps. Des phénomènes étranges se multiplient en ville. Les gens qui sont derrière tout ça ne sont pas comme toi et moi. Rends-toi à l'évidence! Cette tension plonge le monde des sorciers dans un état d'alerte maximale. Quand Norbert arrive à New York, une de ses créatures s'échappe. Il est immédiatement arrêté. Les animaux risquent de révéler l'existence des sorciers aux moldus. Emparez-vous de cette valise, Graves. Vous faites une erreur, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Ce sera à nous d'en juger. Graves est l'aurore en chef qui enquête sur tout ce qui nuit aux sorciers. Et lâcher une meute de créatures dangereuses ici, c'était un autre accident, c'est ça? Pour quelle raison Albus Dumbledore vous affectionne-t-il tant? On ne sait pas vraiment qui est bon et qui est méchant. On ne le sait qu'au dénouement. Savez-vous laquelle de vos créatures est responsable, Monsieur Dragono? Regardez ces marques. Ce n'est pas une créature qui a fait ça. Nous risquons d'être démasqués. Nous risquons une guerre. Vous avez un plan, j'espère? Ils ont besoin de nous. C'est nouveau. Et d'une certaine manière, il existe des liens avec les romans qui vont surprendre, je pense. Selon eux, ces incidents sont liés aux attaques de Grindelwald en Europe. On évoque la première fois qu'un sorcier se révolte et menace l'ordre établi. J'ai eu la vision d'un immense pouvoir. C'est ce qui m'a toujours tenu à cœur. Ce à quoi j'aspire.